Et puis nous en parlions hier, 7 skippers ont écopé d'une pénalité de temps après le passage de dispositifs de séparation du trafic du Cap Finistère. En fait, ce genre de dispositif est établi pour réduire les risques de collision dans des zones où le trafic maritime est important et un rail est réservé au cargo. Et il a été emprunté par plusieurs skippers. Écoutez la réaction de Jean Le Cam, pénalisé de 2 heures, une réaction qu'il envoyait ce matin, un peu agacé et un peu philosophe aussi. Là, on peut voir le parcours de la pénalité. Je vais vous en parler de cette pénalité. Bon, alors on va parler de la pénalité. Là, en fait, on a pris une pénalité parce qu'en fait, apparemment, on est passé dans les rails des cargos, ça j'en conviens. Et je pense aussi que l'organisation devrait réfléchir un peu à ce qui se passe là. Parce que s'il n'y a pas la possibilité de le faire, là, mettez-nous des points obligatoires. De toute façon, il n'y a plus que des choses obligatoires dans ce bas monde. L'obligation fait partie du quotidien de tout le monde. Et nous, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'on fait rêver les gens, parce qu'on les fait rêver, parce qu'ils ont trop d'interdits. Et l'interdit, il faut arrêter. C'est encore notre seul espace de liberté, le Vendée Globe et la mer, le tour du monde en solitaire. Gâchez pas tout, s'il vous plaît. Merci.